Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce blabla test sur Elden Ring. Donc j'avais décidé de faire un blabla test sur ce jeu parce que ça fait un petit moment que je l'ai le jeu et du coup je suis en train de faire un truc un petit moment. Voilà. Et du coup, c'est vrai que j'aurais dû faire un test avant, mais bon, en général, j'aime bien faire un blabla test quand j'ai terminé le jeu. Là, c'est pas le cas parce que le jeu est hyper long et le niveau de difficulté rend la chose assez ardue et exécrable. Mais bon, ça n'empêche pas que je puisse parler du jeu quand même un petit peu. J'approche des 68 heures de jeu. Je suis au niveau 15, level 15. Alors il y a plusieurs levels, il y a plusieurs strates du personnage à leveler, à révéler. en général, il doit y avoir pas loin de 6. 6 strates. Donc il y a le niveau général, il y a la force, la vigueur, l'ésotérisme, la foi, plein de choses qui vont faire que forcément plus on level, plus notre personnage est meilleur, mais bon, ça c'est autre chose. J'ai enregistré plusieurs séquences via ma Xbox et mystérieusement, ces temps-ci, je sais pas pourquoi, alors ça vient. Les vidéos que vous verrez en séquence, j'ai pas d'autres parce que j'en ai recommencé plusieurs et elles sont toutes comme ça, je sais pas pourquoi. Elles sont saccadées, donc je pourrais pas dire pourquoi. Y a rien de spécial sur ces vidéos, il n'y a rien de. Je pourrais pas dire pourquoi ça fait ça. Voilà, c'est saccadé. J'aurais préféré vous présenter des vidéos de meilleure qualité, mais bon, avec le montage, tout ça, j'ai quand même limité la casse un petit peu, du mieux que je pouvais. Et puis c'est tout. Et puis de toute façon, je pense, c'est juste, ça tient plus de vidéos d'illustration que de, c'est pas un streaming, quoi. Voilà. Voilà. Alors je sais pas d'où ça vient. Est-ce que ça vient de mon disque dur externe ou de ma Xbox? Je peux pas dire. Je peux pas dire parce que j'ai un lot. J'ai fait plusieurs enregistrements d'une heure là sur ma Xbox. Et j'ai fait, puisque je, donc je, j'ai, pour faire le test d'Elden Ring, j'ai quand même rejoué. Alors je parlais de tout ça parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Donc je me suis mis à rejouer au jeu, puisque je l'avais laissé de côté. Mais je fais pas que ça, et donc j'ai quand même téléchargé d'autres jeux, et dont PSO2, donc Phantasy Star Online 2, New Genesis, et donc j'accroche beaucoup à ce jeu, et j'ai fait une capture pour voir de ce. Parce qu'il y aura un blabla test de PSO2 NG. J'ai voulu faire une capture et c'est pareil, ça. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça enregistre de manière saccadée. Je pourrais pas dire pourquoi parce que c'est pas la. Comme vous le voyez sur mes vidéos, c'est pas la première fois que je fais des captures. Je peux pas dire. Alors, assez spécialement aussi pour Elden Ring. Parce que ce que je faisais pendant un petit moment, c'était que je streamais ma console via le xCloud et donc je récupérais les images avec OBS et Elden Ring est un client
où ça déconne vraiment. Je pourrais pas dire pourquoi. Alors, est-ce qu'ils ont implémenté un truc anti-copie, anti-piratage? Je peux pas dire. Est-ce que ça fait vraiment ça avec Elden Ring? Parce que j'ai streamé l'autre jour, j'ai voulu streamer et j'ai streamé du PSO2 NG, ça a marché nickel. Donc pour l'enregistrement des séquences, ça déconne, mais pour le streaming en xCloud, ça marche nickel, sauf Elden Ring. Donc va falloir vous contenter de ça. Donc voilà. Je m'en excuse le plus sincèrement du monde. Aussi, vous voyez que mon personnage est nu pratiquement comme un ver. En fait, c'est pas que je souhaite montrer de l'exhibition ou des effets. C'est juste que en fait, dans Elden Ring, comme dans tous les Souls, l'armure a une incidence sur le poids. On a un poids qui nous est compté, qui nous est donné possiblement de transporter. Et donc cette masse augmente en levelant. Mais forcément, moi, ce que j'ai constaté, c'est que du début que j'ai commencé à jouer jusqu'à aujourd'hui, dès que je mets une armure, dès que je mets des habits, quelque chose, bah, mon personnage, il se traîne le derrière. C'est assez lamentable. C'est comme si j'avais emmené mon personnage au McDo, vidé la réserve du McDo et voilà quoi. Le mec, il a donc alors que dans ce jeu, surtout ce jeu, on a besoin de vivacité, d'être rapide, de réagir rapidement. Donc c'est pour ça que mon personnage est pour l'instant est nu comme un ver, parce que dès que je mets une armure, là j'ai encore essayé, dès que je mets une armure, c'est fini, il est lent, il marche en canard, enfin vraiment c'est détestable, c'est vraiment et c'est propre aux Souls. Je sais pas s'il y a d'autres action RPG qui prennent en compte, enfin PSO2 par exemple, j'ai pas ça. PSO2, c'est un action RPG et je n'ai pas ça. Donc voilà. Il y a plein de choses dans PSO2 NG qu'il n'y a pas dans Elden Ring et qui rendent le jeu tout aussi bien. Mais bon voilà. Voilà, donc vous voyez. Donc Elden Ring, c'est un action RPG. Donc teinté d'Heroic Fantasy, de Sword and Sorcery, vous voyez mon anglais impeccable, de Medieval Fantastic. C'est From Software, studio japonais, qui est derrière ce jeu au développement. From Software, on leur doit tous les Demon's Souls, les Dark Souls et Sekiro. Donc Bandai Namco s'est chargé d'éditer Elden Ring. Je sais même pas. Je crois pas que c'est Bandai Namco qui a fait les autres, qui a sorti les autres. Hein, je crois pas. Je crois que c'est le remake qu'il y avait eu sur PlayStation 5. Là, c'était Bluepoint, je crois, qui s'était chargé du remake. Mais Sony, je crois, avait fait le. Je crois. Je suis pas sûr. J'ai même pas vérifié. J'ai même pas vérifié. En tout cas, je suis pratiquement sûr. Je vais vérifier de suite. Hein. Hop. Sekiro. On va mettre Sekiro. Hop. Voilà, Sekiro. Activision. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Ça serait Activision. SIE Japan Studio Kadoka. Alors, on va aller sur Wikipédia.
Et Bloodborne, ah ouais, j'ai oublié Bloodborne. Je l'oublie celui-là à chaque fois, mais bon. Alors ça appartient à une grosse entreprise, Kadokawa Shoten. Ils sont pas fichus de faire l'édition des jeux. Ah ouais. Voilà. C'est une marque de la maison d'édition japonaise Kadokawa Future. Ok, bon. Enfin bref. Ah, Armored Core, c'est eux qui avaient fait ça. Oh, j'ai eu un Armored Core sur PlayStation portable. Ah ouais, ça c'est une licence que je trouvais bien. Tiens, ils pourraient en faire avec les ventes d'Elden Ring, ils pourraient s'en faire. Ah ouais. Ah, c'était une super licence à Armored Core. C'est un truc que. Ah, s'ils en refaisaient là, je serais vraiment. Je trouverais ça vraiment génial. Oh. Super. Ah, je savais pas que c'était From Software qui était. Ok, bon, je vais arrêter là. Je suis en train de m'égarer grave. Ça fait déjà 11 minutes. Oh la vache. Ou pitié. Donc, toujours est-il que pour Elden Ring, c'est Bandai Namco qui s'est chargé de l'édition. Je trouve ça bizarre que depuis le temps, From Software fasse encore petit truc, quoi, petite maison d'édition, de développement, qui se charge pas d'eux-mêmes. C'est bon, leurs jeux sont assez connus, se sont bien vendus, je pense. Je pense. Enfin, bon, après, moi, je me demande pourquoi ils font pratiquement que ça aussi. C'est un peu. Mais bon. Donc, voilà. Donc, ce que je peux dire un petit peu pour décrire un peu le jeu. Donc, moi, j'avais pas prévu d'acheter Elden Ring parce que, en fait, avant ça, avant qu'Elden Ring ne sorte. Quand j'ai eu ma Xbox, je me suis dit, bah, j'ai jamais essayé les Dark, les Souls, aucun. Mais les Souls, même Bloodborne, la DA, la direction artistique, ne m'intéressait pas. Pour beaucoup, Demon Souls et Dark Souls, en fait, ce sont des jeux médiéval fantastiques et je suis pas fan du tout de ça. Ça me parle pas du tout. Ça me parle pas du tout et voir des trucs de chevalier, c'est pas mon kiff. Le Moyen Âge, j'ai rien contre cette période, mais je vais en parler dans la DA d'Elden Ring. C'est un mauvais Moyen Âge. Y a la voilà, il y a la peste et tout ça qui est décrite et c'est pas des choses que j'ai. Moi, en histoire, quand j'étudiais ça. Ça me faisait pas plaisir d'étudier ça, j'aimais pas ces périodes. Et donc, jouer à des jeux qui traitent de ça, ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout. Et donc, les Demon Souls et Dark Souls, bah, vu qu'ils sont. C'est du copier-coller de Elden Ring quasiment, ne m'intéressait pas. Il y avait que Sekiro, vraiment. Mais bon, quand j'ai vu le niveau, parce qu'au départ, je connaissais pas. Quand j'ai eu ma Xbox, je connaissais pas Sekiro. Et je me suis dit, ouais, c'est cool, ça a l'air vachement cool et tout. Ça a l'air. Et puis quand j'ai vu les mecs, comment ils galèrent, quoi. Enfin, bon, vraiment, il y en a qui disent que c'est le plus dur des Souls. Il y en a qui disaient avant Elden Ring que c'était le plus facile. Bon, ben, voilà, quoi. Faire un Souls, c'est exigeant, ça demande de l'investissement, peut-être trop, moi pour moi je trouve, mais voilà. Et donc Sekiro m'intéressait, mais bon, vu le niveau, je suis parti en courant. Et donc ce qui fait que j'ai jamais essayé de Souls. Donc le Elden Ring, au départ, quand j'ai vu de quoi il s'agissait, je me suis dit ouais ben. C'est un Souls hein, comme un autre, c'est un copier-coller. Ça sera sans moi, quoi. Et puis y a eu le buzz généré, alimenté par des journalistes, par des youtubeurs, par tout un écosystème qui ont fait un buzz. Et donc je me suis dit, bah, vu que tu n'as jamais essayé un Souls, bah, c'est le bon moyen d'essayer. C'est le bon moyen de. Voilà. Un nouveau From Software qui sort, bah, histoire de dormir moins bête. J'avais fait un article là-dessus. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'idée.
Mais j'avais raison surtout la lune. Mon idée de départ, c'était que c'est voilà. Donc c'est à ce niveau-là. Donc j'ai acheté le pas Day One. J'ai dû. Il est sorti fin février le jeu et je crois que je l'ai acheté une semaine et demie ou 2 semaines après sa sortie, début mars. Et donc j'avais acheté. Je suis pourtant pas client de ça. Enfin, ça dépend du jeu, mais voilà. Quand j'ai vu le truc sur le Microsoft Store, il y avait une version, une édition collector à 80 € et j'avais pas du tout prévu d'acheter ça. Et en fait, j'ai acheté parce qu'il y avait dans cette édition collector donc le jeu évidemment, mais il y avait un artbook et la BO. Et donc moi je me suis dit bon bah c'est cool et puis je me suis dit vu que c'est digital sur Xbox comment sous quelle forme ça va être interprété ces choses-là quoi parce que quand j'achète une BO sur Bandcamp bah voilà c'est un dossier de fichiers quand j'achète sur iTunes c'est un dossier de fichiers et là qu'est-ce que ça il y avait sous quelle forme ça allait être parce que je me suis dit bah vu que pour Scarlet Nexus, il y a la même édition. Bah voilà, c'est le moment de. Enfin, la même édition. Sous la même forme. Donc je me suis dit, ben voilà, on va acheter pour voir ce que c'est. Donc du coup, bah ouais, je me suis retrouvé avec une édition à 80 €. Bon, je regrette pas, mais c'est une semi-déception quand même. Je vais aborder un petit peu d'abord les éditions. Donc j'ai pas pu capturer d'image de l'application en fait qui vaut lieu de hub. Donc il y a une, quand on donc on télécharge le jeu, la console va le mettre dans les jeux, et il va y avoir pour gérer le artbook et la BO une application qui a été faite par l'éditeur. Mise dans les applications de la console. Donc quand on lance l'application, on choisit soit donc le artbook, soit la BO, et puis il y a quelques options pour choisir la langue déjà, puisque c'est traduit en plusieurs langues. Bon, voilà, c'est assez. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris, parce que l'édition collector que j'ai achetée existe aussi en physique, en fait. Moi, j'ai acheté tout en digital. Dans le physique, donc, il y a ce artbook et le CD du jeu, enfin, le CD de la BO. Mais ici, bah, c'est sûr que c'est tout, hein, dans l'application. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire que le bouquin, en fait, moi, j'ai des facsimilés des pages en fait qui sont présentes et donc j'ai à peu près plein de commandes d'ergonomique pour feuilleter les pages. Je peux zoomer sur les images, mais alors, c'est franchement pauvre en commande. Quand on zoome sur les images, il y a un seul zoom. On peut pas choisir se zoomer à 70%, 100%. Non, c'est un seul zoom. Le zoom se fait au centre de l'image. C'est tout. On ne peut pas se balader sur le reste de l'image. Donc, s'il y a un coin à gauche qu'on veut regarder précisément, c'est pas la peine. En plus de ça, que les images, elles font capture d'écran d'une version PlayStation 1 ou 2 des écrans de travail, quoi, en fait, quoi. Des versions de travail, quoi. Ça fait vraiment très mauvais, quoi. Ça fait vraiment, franchement, et il n'y a aucun commentaire. Il n'y a rien, aucune note, rien. Les images sont présentées comme ça, et donc on choisit l'image qu'on veut, et on zoome, et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas moyen, je sais pas,
se servir de l'image comme fond d'écran sur la console, puisque la console peut générer des fonds d'écran. On peut rien faire d'autre. On peut le zoom et on peut pas se balader. Une fois qu'on a zoomé, on peut pas se balader sur l'image. Et puis, comme j'ai dit, l'image, c'est une version de travail, quoi, en fait. Ça ressemble à du PS1, PS2, quoi, du jeu, quoi. Donc c'est franchement, ouais, c'est un peu dé c'est décevant, c'est décevant. Donc le hardbook, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont eu en physique là, mais franchement, pour moi c'est décevant ce hardbook. Franchement, il y a aucun commentaire, il y a aucun texte, rien, rien, rien. J'ai pas regardé à 100% le bouquin, c'est pas possible. Je sais même pas s'il y a un sommaire qui permet de naviguer sur les pages, tout ça. Non, on recommence toujours dès qu'on quitte l'application, enfin le hardbook ou la BO, on revient à zéro en fait. Et ça va être pareil pour la BO. Et c'est un truc qui ne sert strictement à rien, encore plus pour la BO. Parce que quand on arrive sur la BO, elle est franchement très mo elle est pas bonne la BO. Franchement, elle n'est pas bonne. J'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. J'en parlerai de la musique après, parce qu'elle veut singer la trilogie. Enfin, pour moi, le jeu prend beaucoup sur le Seigneur des Anneaux. bon, j'en parlerai après. Mais la BO, enfin l'application. Donc là aussi, quand on veut écouter la musique, il y a toutes les commandes. On peut naviguer dans les morceaux. Il y en a 50 morceaux dans la BO. Donc on peut régler le volume, on peut passer d'un groupe de morceaux à un autre. On peut changer, voilà, un peu. Mais moi, j'aurais voulu. J'aurais voulu profiter plus que ça des morceaux, m'immerger vraiment, parce que moi quand j'achète un CD, généralement je l'achète pour l'écouter avec un casque audio sur la tête, puisque je n'ai pas de super enceinte. Et voilà, pour pouvoir écouter un casque audio sur la tête, il faut que je puisse charger les morceaux, soit sur mon ordinateur, soit sur mon portable ou tout autre appareil. Alors je pourrais brancher mon casque sur la manette Xbox, ça je peux le faire. Mais le son n'est pas optimal. D'ailleurs, l'application, le son n'est pas. Voilà, c'est des morceaux, c'est du MP3 quoi. Donc c'est propre. Mais c'est pas ce que je veux, quoi. Moi, j'ai acheté la BO de Weird West ou de Halo Infinite. Voilà, je peux profiter des morceaux. J'ai aucun DRM, j'ai rien. Je les mets sur mon portable, sur mon ordi, sur ma console. Je les mets où je veux, où c'est possible d'écouter des morceaux. C'est pas pour faire du piratage. Vraiment, j'ai été déçu là-dessus de mettre 80 euros dans. Donc, il y a 20 euros qui sont dus au hardbook et à la BO. Alors, c'est pas énorme, hein, 20 euros pour un livre et un CD. En revanche, ouais, ils auraient pu laisser les morceaux, au moins de la BO. Disponible sur le disque dur quoi de la console, parce que ça c'est pas un problème. Une fois que c'est sur le disque dur de la console, moi je peux brancher une clé USB ou un disque dur externe, tac, et je fais une copie des fichiers et après je mets ça sur mon ordinateur quoi, et voilà. Mais là non, rien, je peux rien faire, je peux même pas. Alors je peux pas graver de copie en CD via iTunes, ça c'est sûr, puisque je peux pas profiter des morceaux sur mon ordinateur, mais c'est sûr que vu que j'ai acheté, sauf dans, je sais pas, peut-être une décennie, peut-être l'éditeur dira on abandonne le on a on retire du store la BO et le hardbook. Je pense que ça dure à peu près une décennie. Et après, bon bah voilà, je pourrais plus, je pourrais, si j'ai retiré les morceaux pour X raison,
de ma console, je pouvais plus retélécharger. Là, si je retire l'application, je peux la retélécharger ad vitam aeternam, quoi, la retrouver, quoi. Mais voilà, je trouve, j'aurais voulu, j'aurais préféré pouvoir profiter des morceaux de la BO, m'immerger vraiment dans la musique. Donc déjà, c'est un mauvais point. Ensuite, bah, la BO en elle-même n'est pas très bonne, hein. Voilà, elle fait le job pour le jeu, mais franchement, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Il y a, en fait, il y a 50 morceaux, et 50 morceaux là-dedans, des vrais morceaux, il y a peut-être 15, quoi. Parce que tout le reste après, ça va être des bruits de fond, ça va être l'ambiance sonore d'un niveau, ça va être. Alors tout n'est pas mauvais, mais. Voilà quoi. C'est mauvais. Voilà. C'est une déception. Donc l'achat de cette version collector, c'est une semi-déception, quoi. Voilà, pour 80 balles. Mais je sais pas ce qui m'a pris d'acheter, de mettre 80 balles. Mais comme j'ai dit, je voulais tester la forme que ça prendrait, bah, j'ai vu. Et du coup, bah, vu que j'ai pas encore acheté Scarlet Nexus de Bandai Namco et qui a une version collector avec la même application en fait, ben bah, j'avais mis cette version collector de Scarlet Nexus, mais non, je l'achèterai pas. Je l'achèterai pas, tant pis. Surtout que voilà. Je viens d'acheter Code Vein, parce que j'avais mis ce jeu dans mes favoris. Il était dans le Game Pass, il n'y est plus. J'avais trouvé pas mal à l'époque. Bon, là je suis en train de faire PSO2 à fond, donc c'est sûr je peux pas jouer à Code Vein. Mais voilà, c'est. J'ai. Voilà. Donc. Une semi-déception, cette édition collector de Elden Ring, dans la forme et dans les faits aussi. Bon, je vais parler un petit peu du jeu, un petit peu plus là. Donc, bah, je vais aborder bah ouais, un petit peu la direction artistique, parce que moi je dis qu'elle me plaît pas, en fait. En fait, le jeu, pour moi, après 60, pas loin de 68 heures de jeu, j'ai toujours l'impression que ça ressemble au Seigneur des Anneaux. En fait, le jeu, pour moi, singe complètement, que ce soit esthétiquement ou au niveau de l'histoire, le Seigneur des Anneaux. Enfin, c'est pas écrit, voilà. Mais par exemple, au lieu de la Terre du Milieu, il y a l'Entre-Terre. Bon, bah voilà quoi, enfin. Il y a l'entre-terre, voilà. Au milieu de la terre du milieu, il y a l'entre-terre, quoi, voilà quoi. Bon, c'est très équivoque. Et ouais. Voilà, c'est carrément le Seigneur des Anneaux. L'architecture des bâtiments, tout ça, vous allez avoir des grandes infrastructures comme dans le Seigneur des Anneaux, comme on voit dans la communauté de l'anneau, quand les mecs sont en train de pagayer et qu'il y a des grandes statues. D'ailleurs, à cette époque-là, on savait faire des collectors parce que moi j'avais adoré la première trilogie du Seigneur des Anneaux. Je n'aime pas le Seigneur des Anneaux. J'ai lu les trois livres. C'est pas une torture, mais c'est très long. Mais bon, je n'aime pas le Seigneur des Anneaux. Par contre, j'avais adoré la première trilogie, celle réalisée par Peter Jackson. Parce que, bah, pour la simple et bonne raison, qu'ils y avaient mis tous les moyens à leur disposition, de très gros moyens, pour en faire de trois très bons films. Bah le plus gros défaut de cette trilogie, c'est que chaque film fait 3 heures et plus. Le Retour du Roi fait 3h30, je crois. Donc quand on va le voir au cinéma, c'est long, hein, 3h30 au cinéma, là, à la fin, on décroche un peu, hein, même. Hein, et puis la qualité, enfin. Parce qu'en fait, quand ils ont fait la première trilogie, ils se sont rapprochés le plus possible des livres. Et c'est vrai que quand on lit les livres, on a l'impression de regarder le film. C'est carrément.
C'est carrément le voilà, c'est carrément les livres en fait. Ils se sont tellement inspirés des livres de Tolkien que voilà, c'est vraiment là-dessus, c'est bien ce qu'ils avaient fait. Et voilà, ils ont fait les choses en grand pour cette trilogie. Moi, j'avais adoré la communauté de l'anneau. J'avais adoré. Enfin, je trouvais voilà, les paysages, tout ça, c'était vraiment génial. Et puis après, bah, c'était moins bien. Le Mordor, tout ça, voilà, tous ces choses-là, dans le Retour du Roi, voilà, c'est. Voilà. Je trouve que c'est vraiment. Voilà, c'est moins bien. Et du coup, bah. J'avais même acheté les trois livres hein, pour voir ce que c'était quand les livres. Et, oh là là, la plaie à lire quoi. Ah, ça avait été j'avais abandonné la communauté de l'anneau à lire et j'avais repris et j'avais tout lu d'une traite les trois livres. Mais il m'avait fallu du temps et faire que ça quoi. Faire que ça quoi. Et parce que les livres ils font quoi 250 220, 230, 250 pages, peut-être 300 pages pour le Retour du Roi, parce que c'est celui-là le plus long, je crois. Mais alors, c'est une mauvaise lecture, parce qu'en fait, Tolkien, lui, il va tout décrire. Il va tout décrire, mais alors, tout de chez tout. Que ce soit les lacets d'un personnage, que ce soit ses vêtements, il va tout dire comment que c'est fait, mais vraiment, jusqu'aux gravures des boutons de manchette ou des trucs comme ça, et dire d'où ça vient et tout ça. Et je vous parle pas de la coiffure du personnage. Et le pire, c'est lui, il a créé la Terre du Milieu. Dans sa propre tête, ce qui est assez extraordinaire, parce que quiconque a essayé d'écrire des textes sait que c'est très difficile de créer un monde tout seul comme ça, c'est très difficile. Moi, j'y suis jamais arrivé. Et quand j'ai tenté d'écrire des choses, des histoires, des nouvelles, en général, au bout de. Bah, en fait, j'ai un peu le même syndrome que disait Quentin Tarantino. Au début, quand on essaie d'écrire des choses, on écrit 25-30 pages et après on abandonne parce qu'on en a marre, on est fatigué, on est épuisé, on ne croit plus en l'histoire. Et bah c'est ça en fait, à chaque fois j'ai essayé d'écrire. Alors imaginez un monde entier comme la Terre du Milieu, ouais, c'est impossible. Du coup, c'est vrai que quand je lis Tolkien, ben c'est assez fastidieux. Alors lui, il a inventé la Terre du Milieu dans sa tête et il coucha sur le papier ce qui donne pour effet que quand il donne une direction, des personnages prennent telle ou telle direction pour aller dans tel ou tel monde. Il décrit tout, tout, tout. Et de manière, vous prenez à l'est sur 150, enfin l'équivalent de 150 km, et puis après vous tournez à droite et vous continuez sur 50 bornes. Et, enfin, quand on lit ça, oh là là, c'est comme si on devait lire un roadbook en fait, un roadbook. Et c'est impossible, c'est impossible. On décroche à chaque fois. Et l'éditeur avait fait une carte sur le premier livre du Seigneur des Anneaux, donc la communauté de l'anneau. Mais même avec la carte, moi je m'y retrouvais pas, je m'y perdais complètement. Donc voilà. Et donc pour les films, le Seigneur des Anneaux, ils ont réussi à tout reconstituer, vraiment un travail de. Enfin voilà, on peut que leur tirer un chapeau parce que. Bon, Peter Jackson n'était pas tout seul, mais c'est vrai qu'à la base, lui, c'est ce qu'il voulait. Il s'est entouré de gens qui avaient les mêmes désirs que lui pour faire le livre, enfin les films. Et les trois films, la première trilogie, sont de qualité égale. C'est juste que, ben voilà, les récits ne sont pas les mêmes. Mais c'est infernal à lire. C'est infernal. Et donc,
Et le monde même, bah voilà, vu que c'est de l'heroic fantasy, c'est du médiéval fantastique. Enfin, pas du médiéval fantastique, mais un peu quand même. Moi, ça me parle pas beaucoup, quoi. Moi, je suis pas fan de cet univers-là. Je suis vraiment pas fan. Et donc, forcément, quand il y a un jeu qui reprend ça, pas trait pour trait, mais voilà, qui singe beaucoup de l'univers du Seigneur des Anneaux, bah, à moins qu'ils y mettent les mêmes moyens, ben, la sauce, elle prend pas. Et j'avais adoré la musique, la BO du Seigneur des Anneaux, qui était les trois CD, avaient été les trois musiques des trois films avaient été faites par Howard Shore, composées par Howard Shore. Et j'ai encore les CD avec moi. Non seulement j'avais, bah ils sont pas loin de mon nez là d'ailleurs. Et ils sont géniaux quoi. Non seulement j'avais acheté en plus en édition collector, à cette époque-là on faisait des éditions collector qui valaient le coup. J'avais acheté en DVD donc un collector. Pour la communauté de l'anneau, j'avais eu le DVD, la BO et deux statuettes. Et ça m'avait coûté, je crois, à l'époque, c'était pas 120 euros. Mais ça valait le coup, quoi. Mais après, pour les deux autres, je trouvais moins bien les statuettes, donc j'avais pris juste les versions collector sans les statuettes, c'était possible de faire ça. Donc j'avais eu les DVD avec les CD. Et tout ça bardé de suppléments, de reportages, de... Voilà, dans les CD, il y a le CD de la BO, plus un DVD avec des making-of et tout ça, quoi. Enfin, vraiment, ça, c'est une version collector. Ça vaut le coup d'être acheté. Là, ce que propose Bandai Namco, mais ils sont pas les seuls, mais c'est juste faire du fric, quoi. C'est juste faire du fric et se fiche, se payer la tête des gens, quoi. Voilà. Et donc, si la musique du Seigneur des Anneaux, pour la première trilogie de Peter Jackson était sensationnelle, la musique pour Elden Ring, elle est moyenne. Elle fait le job pour le jeu. Voilà. Voilà. Et je pense que c'est pour ça que peut-être certains, c'est parce que le jeu reprend beaucoup, il singe beaucoup l'univers du Seigneur des Anneaux. Jusque dans l'histoire, enfin, il y a des personnages. Moi, il y en a un, quand je l'ai vu, j'ai cru que c'était Gollum. En fait, c'est un singe humanoïde. Il a une. Alors, je suis pas expert en singe, mais pour moi, c'est un capucin, en fait. C'est un capucin humanoïde. Et il est tout recourbé, il a un chapeau de colonisateur. Sur la tête, et il est tout défraîchi parce que tous les personnages sont défraîchis, sont pestiférés, sont. Enfin, il va y avoir que ça, des êtres décharnés, rongés par la peste, rongés par des maladies, rongés par. Et en train de mendier ou ayant vendu leur âme au diable, enfin, que des choses comme ça, quoi. Et moi, c'est pas un univers qui me parle. C'est pas un univers qui me parle. Et donc, ce personnage-là, qui ressemble à Gollum, il ressemble vraiment à Gollum. Moi, j'ai cru que c'était Gollum parce que j'ai une version next-gen du jeu, pourtant. Et ce que je voyais, c'est pas très explicite. On voyait le visage n'était pas très bien détaillé, quoi. Mais on voit qu'il a un visage de capucin. Voilà. Mais il m'a fallu du temps parce qu'en plus de ça, il y a le chapeau de colonisateur qui cache beaucoup le visage. Et il n'y a que quand la caméra fait un zoom qu'on voit que c'est un singe, quoi. Sinon, on se dit, tiens, c'est un vieil homme, quoi. Et voilà. Donc, c'est vrai que moi, j'ai pas aimé du tout la DA du Seigneur des Anneaux, de Elden Ring. Enfin. Voilà, je pense que qui singe un peu tout l'univers du Seigneur des Anneaux à la rigueur, mais il aurait fallu mettre vraiment les moyens. Et là, non, il n'y a vraiment pas le compte. Le compte n'y est pas pour moi. C'est pas un mauvais jeu, mais ça va pas. Voilà, c'est pas mon jeu
Voilà quoi, parce que comme je dis, voilà, il y a, si dans le Seigneur des Anneaux il y a la terre du milieu, dans Elden Ring c'est l'entre-terre quoi. Donc ils ont, bah, sinon, dans Elden Ring, on va retrouver beaucoup de châteaux forts, de grandes bâtisses, de forteresses démesurées. Enfin, les grandes, il y a beaucoup de rochers, de ruines. Donc c'est vrai, il y a quand même eu un vrai travail de conception, hein, ça c'est indéniable. Mais en plus que c'est au niveau du Moyen Âge, c'est du médiéval fantastique, de l'héroïque fantasy, moi ça me parle pas, ça me parle vraiment pas. Et ouais, il y a des rats immenses, des rats de taille démesurée, et ils sont rongés par la peste. Il y a même donc là, il y a beaucoup d'animaux qui sont de tailles diverses. Et décharné, rongé par des maladies de peau, comme je l'ai déjà dit. Mais il va y avoir aussi des créatures improbables. Des tyrannosaures décharnés, de taille moyenne, qui se comportent comme des chiens ou des loups, en fait. Voilà. Et il y a aussi. Donc, ils cherchent des restes, ils cherchent à manger des restes. Donc, c'est toujours des animaux ou des êtres vivants qui fouillent le sol pour chercher voilà, vraiment des mendiants, des mendiants, des nobles qui ont vendu leur âme au diable, vraiment des gens de paquetis, vraiment. Donc moi ça me plaît pas de voir ça, ça me plaît pas de voir ça. Et c'était déjà le cas dans Demon's Souls, Dark Souls, dans Bloodborne, c'est le cas. Et je me disais, je vais voir ça dans Elden Ring, donc ça sera pas pour moi. Et puis bon, bah voilà, je l'ai acheté et bah j'avais raison. Mon idée de départ, c'était ça. C'est un copier-coller de Demon's Souls et compagnie. Il y a que Sekiro finalement qui fait exception, qui confirme la règle. Mais encore, dans Sekiro, il y a des monstres qui sont décharnés. Ils peuvent pas s'empêcher chez From Software. À part, là, je viens de voir qu'ils faisaient Armored Core. Bah, ils ont qu'à en faire puisque Demon Souls. Elden Ring s'est tellement bien vendu, ils en sont à 14 millions d'exemplaires quand même. Donc ils peuvent faire un. J'espère que quand ils vont faire un jeu, un autre jeu, bah, qu'ils fassent autre chose qu'un Souls, quoi. Parce que là, ça va, quoi. Ils font que ça. Ils ne font que ça, quoi. Donc, sinon, on va avoir aussi des ours. Donc il y a des ours normaux. Et puis il y a des ours. Le corps est proche d'un gorille, donc on va avoir un corps de gorille, mais avec une tête d'ours. Voilà. Et alors, évidemment, comme dans tout Souls, la bestiole, elle vous taille en pièces. Bon, bref. Mais voilà, voilà ce que je peux dire en règle générale sur la DA. Moi, elle me plaît pas. De toute façon, bon, l'histoire, c'est pas compliqué. On va incarner un avatar, créé intégralement par nos soins. Donc là-dessus, l'éditeur d'avatar est complet. Vraiment, si j'avais su, parce que en fait, moi, j'ai créé mon avatar et je l'ai, au départ, je l'ai mis sans armure parce que en fait. Bah, je pensais qu'il aurait une armure en fait mon personnage et en fait au départ il s'est retrouvé à poil et je pensais pas que ça aurait une incidence en fait donc si quand on crée le personnage on peut faire en sorte qu'il ait des habits juste des habits quoi et bah j'aurais dû le faire avec des habits quoi parce que voilà et ne pas penser le faire avec une armure quoi voilà mais bon voilà c'est comme ça quand on commence un jeu on sait pas où on va et puis bon bah voilà vu que rien n'est indiqué dans Elden Ring bon bah voilà Et on tâtonne et puis voilà. Donc l'histoire, ben voilà, on va créer un avatar intégralement créé par nos soins. Donc il y a un système de caste dans le jeu et nous, ben évidemment, on est des sans-éclat donc des moins que rien. Mais comme dans Matrix, on va être l'élu Neo. Donc on est là pour sauver le monde en fait. Donc voilà l'histoire en gros d'Elden Ring. Matinée de l'univers du Seigneur des Anneaux. Alors peut-être qu'il y a un peu aussi de Conan le Barbare. En fait,
L'univers de Conan le Barbare, les monstres et tout ça, peut-être ressemble un peu à Conan le Barbare. Il y a beaucoup de dragons à trois têtes et tout ça. Il y a beaucoup de choses comme ça dans Conan le Barbare. Pas le film avec Arnold Schwarzenegger, mais les BD, les comics, Conan le Barbare et les livres. Donc voilà. Donc peut-être il y a un peu de ça aussi. Après, ça c'est moi qui dis, mais peut-être je me trompe, hein, mais bon, j'ai trouvé des similitudes là-dessus. Donc les graphismes en général sur Elden Ring, et comme l'ensemble de la technique, c'est pas vilain, mais c'est pas oufissime non plus. Moi, quand je vois des mecs qui disent que c'est le gothique, que c'est à tomber, tout ça, bah non, c'est pas moche. Ça tient très bien la route, mais encore une fois, je préfère largement Victoire sans appel de Phantasy Star Online 2, quoi, New Genesis, quoi. Il y a vraiment pas photo, quoi. Il y a rien dans le graphisme de d'Elden Ring qui me plaît, qui me voilà. C'est vraiment non. J'ai trouvé. En plus de ça, que la physique, par moment, me fait penser un petit peu aux jeux PlayStation 1, PlayStation 2, où la physique était un peu bridée par la technologie, en fait. La technologie permettait pas, alors qu'aujourd'hui, avec la motion capture et avec tout ce qui s'ensuit, il y a moyen de faire des choses vraiment extraordinaires. Alors, je suis sûr qu'ils ont utilisé la motion capture, mais on a l'impression vraiment des fois de retrouver un jeu PlayStation 1, mais en plus moderne. Voilà, ça va être plus moderne. Et bon, ça fait bizarre au début. Bon, voilà, chacun voit midi à sa porte. Hein. Moi, ça me plaît pas. Voilà, c'est vraiment. Donc, je regrette pas d'avoir acheté le jeu parce qu'au moins je peux en parler. J'ai fait 68 heures de jeu et je suis très loin d'avoir fini. Quand je vois la courbe de progression très lente du jeu, c'est. On va dire. PSO2, pour la moitié moins d'heures. C'est-à-dire, j'en suis à. PSO2, j'en suis à 37 ou 38, peut-être 40 heures là maintenant. Bah, je suis au level 17. Et c'est beaucoup plus accessible, mais ça en fait pas un mauvais jeu. C'est un action RPG, PSO2, NG aussi. C'est un action RPG, alors c'est un free to play, mais les développeurs chez Sega ont fait en sorte que les microtransactions, c'est pas un pay to win, c'est pas un jeu où il va falloir acheter à tout bout de champ. Il y en a des microtransactions, mais leur souhait c'est que d'abord on fasse le jeu. Pour comme Elden Ring, il va falloir farmer, il va falloir faire la carte, aller visiter les mondes, battre des boss, crocher dedans pour faire du level. Voilà. Et finalement, Elden Ring, c'est pareil. Donc finalement, PSO2 NG, c'est un super action RPG et la DA, moi, elle me parle plus, puisque c'est une DA qui va ressembler beaucoup plus à Evangelion, par exemple, au manga, et à Evangelion, surtout. Moi, il n'y a pas photo, je préfère largement ça. Et puis, dans PSO2, il n'y a pas d'être décharné, il n'y a pas de créature. Non, c'est rien que vraiment... ça ressemble à du Evangelion, donc moi, ça me parle beaucoup plus. Alors, il y a un peu de fanservice, c'est-à-dire que les personnages féminins sont des adolescentes pour la plupart de 16, 17 ans, 18 ans, 19 ans, et elles sont gaulées comme des mannequins avec des protubérances mammaires. Oh la vache! protubérances mammaires assez. Voilà, donc. Mais à part ça. Ça c'est juste dans la création du personnage qui est aussi complet, voire peut-être plus que Elden Ring.
Parce que dans PSO2 NG, on peut faire ses propres voix, on peut enregistrer ses propres voix pour que notre personnage, quand il parle, enfin quand il parle, pas dans les scènes cinématiques, mais quand on va se bastonner avec un ennemi, le personnage fait des petits ya ou des petits cris. Et ben on peut enregistrer, il y en a qui enregistrent carrément des petites phrases quoi. Voilà. Donc là l'autre jour je suivais le stream d'un chinois qui jouait à ce jeu. Et le mec il a carrément. Donc la personnage quand elle cogne, parce qu'on peut cogner à la suite, donc la personnage ne fait que dire en boucle la phrase quoi. Donc c'est pour dire que c'est. Voilà, je préfère largement. Fantasy Star Online 2, y compris New Genesis qu'Elden Ring, ça, il n'y a pas photo. Donc voilà, donc la DA d'Elden Ring, franchement, ne me parle pas du tout, vraiment, absolument pas. Voilà, les créatures sont ineptes pour moi, enfin, vraiment, il n'y a vraiment rien là-dedans qui m'a. Le jeu est pas mauvais, le jeu est pas mauvais. C'est un jeu next-gen, c'est clair. En revanche, ouais, c'est pas le triple A qui est renversant, qui voilà, pour moi. Hein, maintenant, après, y en a qui ont adoré, il y en a vraiment qui ne jurent que par les Souls. Voilà. Chacun son truc. Voilà. Mais moi, c'est pas du tout mon truc. Voilà. Donc bah, la musique, comme j'ai dit, bah, elle est ni trop bonne ni trop mauvaise. Elle fait le job pour le jeu. Mais encore une fois, bah, comme la DA, j'accroche pas du tout. Ils ont essayé de faire des morceaux qui sont un peu comme, bah, comme ce que l'on pouvait trouver dans Le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire des grands chœurs lyriques et tout ça, mais il y a c'est pas du tout la même, on boxe pas dans la même catégorie quoi. Vraiment dans Le Seigneur des Anneaux, ils avaient vraiment fait les choses en grand. Il y avait vraiment des orchestres symphoniques et tout ça. Il y avait vraiment pour les voix, pour vous dire, pour les voix, il y a des moments, il y a des voix qu'on entend en arrière-fond. Et ben pour les enregistrer, ils avaient été alors, je sais pas si en Nouvelle-Zélande il y a ça, mais ils avaient été sur des matchs de rugby. Bah si, en Nouvelle-Zélande, bah si, je suis con, je suis complètement stupide. Moi. Le mec, il se demande s'il y a du rugby en Nouvelle-Zélande. Et Nintendo, c'est polonais quoi. Non mais franchement, non mais allô quoi. Là, il y a les All Blacks en Nouvelle-Zélande et il se demande s'il y a du rugby en Nouvelle-Zélande. Non mais allô quoi, vraiment n'importe quoi. Ils avaient été sur un donc pendant un match de rugby à 15, non, à... alors il y a du rugby à 13 en Nouvelle-Zélande et il y a du à 7 aussi, mais surtout, bon, c'est le championnat à 15, hein, du rugby, la catégorie reine, si on veut, du rugby, c'est à 15, donc à 15 joueurs par équipe. Donc il y a tout un championnat qui était avant, qui était vraiment. Quand j'ai été abonné à Canal+, j'ai eu vu des matchs de rugby à 15 en Nouvelle-Zélande. Et c'est carrément 20 milliards de fois mieux que le top 14. Le top 14 ne vaut que dalle. Voilà, c'est tout. Le top 14 est franchement mauvais. C'est comme la Ligue 1, c'est mauvais. Voilà. Donc, les mecs, il y a des gloires du rugby qui viennent finir leur carrière au top 14. C'est la maison de retraite améliorée pour les rugbymen. Voilà. Donc, vraiment, voilà. Donc, ils avaient été à un match, l'équipe. Donc l'équipe du Seigneur des Anneaux, ils avaient été à un match et ils avaient eu l'autorisation pendant la mi-temps. Donc ils étaient au milieu et de tancer la foule, en fait, de les faire crier et ils ont été enregistrés tout ça. Donc on voit ça dans les bonus du DVD. Et ils avaient été enregistrés les voix comme ça.
Et donc après, bon, il a fallu mixer parce que, comme il disait, il y avait des buveurs de PR qui gueulaient, qui gueulaient vraiment n'importe quoi. Parce qu'en fait, sur l'écran géant, il disait, donc les gens qui devaient gueuler, ils devaient gueuler ce qu'il y avait écrit sur l'écran géant. Et eux, ils ont enregistré tout ça. Et c'est ces voix-là qu'on retrouve dans la BO, en fait. Mixées, évidemment. Mais voilà, pour dire le travail, et je pense pas qu'ils aient fait ça pour Elden Ring. Question de moyens, évidemment. On se doute bien que From Software n'est pas Weta Digital ou n'est pas. Mais voilà, toujours est-il que la BO d'Elden Ring, elle est insignifiante. Hein, elle fait le job pour le jeu, ça suffit. Mais de là à acheter le CD, non. Donc j'ai fait c'est une semi-déception d'avoir acheté la BO du jeu. J'ai pas fini de l'écouter parce que je suis arrivé à la 24e piste. Quand t'as écouté 24 morceaux, t'as quasiment tout écouté de la musique du jeu parce que voilà quoi, y a quand même quelques morceaux qui sont bien, mais c'est voilà. Pour moi, elle est insignifiante. Elle me parle pas la BO comme la direction artistique du jeu. Voilà. Le gros morceau du jeu, ça va être la jouabilité. J'apprends rien à personne que un Souls, c'est un argument de vente, un argument marketing ou de vente, ben que la jouabilité, le niveau de difficulté d'un Souls. Et bah voilà quoi. Et donc c'est vrai que là-bas, Elden Ring. Et pourtant, tout le monde dit, tous ceux qui l'ont fini disent que Elden Ring c'est le plus facile de tous les Souls. Et donc, alors ce n'est pas dur. Moi, je vais m'expliquer un petit peu. Je vais essayer de m'expliquer un petit peu. Ce n'est pas dur parce que dans le sens où on sait comment battre l'adversaire, mais c'est que le jeu va faire en sorte de garder toujours la main, toujours ou presque, et donc on se fait ratatiner majoritairement face à un boss surtout, mais face à certains. Donc comme j'ai dit, pour aborder un petit peu la jouabilité quand même un peu plus en amont, donc comme j'ai dit, c'est un action RPG. Bon, donc, il y a les menus, il y a plein de choses dans les menus sont complets, il y a beaucoup d'aspects, c'est très complet, il y a plein de choses, on va avoir beaucoup d'armes, qui me plaisent pas d'ailleurs, mais bon, c'est le Moyen-Âge, c'est la période, c'est pour ça que Sekiro je me demande si je vais pas essayer de l'acheter un jour, Sekiro, pour voir la différence avec Elden Ring. Parce que dans Elden Ring, c'est un jeu à placement procédural. Depuis le début, pour des jeux comme ça, pour moi, je n'aime pas. Je n'aime pas le placement procédural. Il va y avoir ça dans Forza, apparemment. Bah, je pense que ça sera autre chose parce qu'il y aura le machine learning et tout ça, mais il n'y a pas ça dans Elden Ring forcément. Et ça fait que le jeu se comporte de manière bizarre assez souvent. Mais bon, il faut que je revienne d'abord au truc du jeu. Donc il y a beaucoup d'évolutions possibles, comme je disais. Moi, je suis level 15 au bout de 68 heures, donc c'est un jeu qui a une courbe de. D'évolution très lente, vraiment très lente. Hein. C'est même, c'est décourageant, quoi, vraiment. Alors j'en ai vu un hier qui disait, j'ai lu sur Twitter, le mec disait, il n'y a pas de farm inutile. C'est vrai que comparé à PSO2, il y a moins de farm inutile. C'est vrai, mais vu que la courbe d'évolution est la même, sauf qu'il faut moins d'heures. Il faut moins d'heures dans un PSO2 pour évoluer, pour avoir le même level, voire plus. Il m'a fallu la moitié moins d'heures dans PSO2 pour avoir le même level. Franchement, mais dans Elden Ring, il va falloir farmer.
non pas vivre la vie à la ferme, c'est-à-dire se coltiner la traite de son troupeau de vaches matin et soir, entretenir les prairies, cultiver son blé. Non, mais farmer, ça va être naviguer sur la carte, faire des buter autant d'ennemis possible. Et il va falloir, ouais, pour faire du level, il faut tuer des ennemis, il faut récolter beaucoup d'items. On va pouvoir les faire fusionner, on va pouvoir forger de nouvelles armes, les améliorer. On va pouvoir vendre des items, acheter des items. On va pouvoir faire plein de choses qui nous sont données possibles pour faire du level. Voilà, pour leveler, parce qu'il y a des boss, bah forcément, si on n'a pas de level. Déjà, quand on a le level, on se fait ratatiner. Alors, quand on ne l'a pas, c'est même pas la peine d'essayer. Je pense que le dragon qu'il y a, que vous voyez sur les images, j'ai pas le level. Il me manque le level et donc je me fais ratatiner à chaque fois parce que peut-être que j'ai pas l'arme non plus qu'il faut. Parce que les armes, en fait, même quand on les a faites évoluer, elles abîment pas beaucoup la jauge de vie des boss. Hein. Donc, ça fait que c'est une des choses qui font que les combats durent longtemps dans Elden Ring. Les combats durent très longtemps, je trouve. C'est un jeu qui va jouer sur l'usure. C'est un travail de sape. Voilà, comme font les rugbymen quand ils font des mêlées sur mêlées, c'est du travail de sape. C'est-à-dire, pour éviter que l'adversaire progresse, le décourager, eh ben, il y a du rentre dedans. Voilà, c'est du travail de sape. Et ben là, c'est pareil. C'est du travail de sape. C'est-à-dire que. Le boss, avant d'en découdre avec lui, il faut se tenir à une ligne et rien lâcher. Mais vu que le jeu va faire, pour moi, il fait n'importe quoi. C'est vrai que les placements procéduraux, en fait, c'est dans les faits, c'est que à chaque tentative, à chaque nouvelle tentative, le jeu va faire en sorte que le boss ne se comporte pas de la même façon à chaque essai. Il va modifier sa façon d'agir vis-à-vis de nous. Les techniques vont pas être dans le même ordre. On aura beau apprendre ses patterns, vu qu'elles sont pas dans le même ordre, certaines ne vont pas sortir, d'autres vont sortir, mais dans Tunic par exemple, il y a la même chose, mais dans Tunic c'est exploitable. Tunic, à part le gardien du jardin et la série de boss dans la cathédrale, ouais, j'ai fini le jeu, je sais pas combien d'heures il m'a fallu pour finir le jeu. D'ailleurs, je ferai un blabla test de Tunic parce que c'est une petite merveille, même s'il y a quand même quelques trucs qui m'ont déçu. Mais bon, voilà, c'est exploitable. Weird West est un jeu à placement procédural, mais c'est exploitable. C'est des exemples, quoi. Elden Ring, ce n'est difficilement exploitable. Certains, j'avais vu un gars, le mec, en 2 semaines, 2 semaines, il a fini le jeu et il l'a platiné à 100%. Je sais pas comment il fait. Je sais pas comment il fait. Pour moi, Elden Ring, c'est un jeu de raciste. J'appelle ça un jeu de raciste. C'est-à-dire que c'est des jeux, si tu es habitué des Souls et que tu les as tous faits, bah Elden Ring, voilà, ça va être un truc, voilà, comme ça, quoi. Mais pour ceux qui n'ont jamais vu, qui n'avaient jamais fait de Souls, eh ben, c'est le Vietnam. Voire même impossible à faire. Hein. Voilà, c'est rendu impossible par l'aspect procédural. Parce qu'en fait, les boss, tous conçus un peu de la même façon,
On va avoir des boss humanoïdes très vifs comme Varé le Blême, qui j'ai galéré à le battre, tu vois. J'avais peut-être pas le level, mais je suis allé leveler et je suis revenu. Et en fait, je l'ai tué à la hallebarde. Et comme tous les humanoïdes de son genre, il faut les buter à la hallebarde parce que c'est une arme qui va permettre de tuer le boss à distance. Parce que sinon, dès qu'il se rapproche de nous, notre épée ne nous permet pas de porter des coups décisifs à l'ennemi. Et lui, par contre, il va pas nous louper. Il va nous démolir. Mais il y a des choses qui me répugnent dans les adversaires de Elden Ring. C'est que, par exemple, il y a... Varé le Blême, c'était ça aussi, mais le mec, il peut invoquer une nuée, je sais pas, une nuée de bestioles, je sais pas ce que c'est, on sait pas ce que c'est. Encore aujourd'hui, je cherche à savoir ce que c'est. Et une nuée qui va nous atteindre, donc si on, il faut la semer, en fait, la semer, parce qu'elle nous poursuit, il faut la semer. Et même que quand tu l'as semée, des fois, le jeu va te sortir. Tu es loin du boss, tu es loin, il n'a pas sorti de nuée, et tu as des petites bestioles qui viennent te tuer quand même. À distance, tu es loin, hein, et tu te fais tuer quand même. Et là, tu te dis, mais d'où ça sort? D'où ça sort, ça? C'est incroyable de voir ça. Il y a ce... Enfin, c'est pas un boss, c'est un ennemi. Un chevalier dans... j'aime pas ce monde, d'ailleurs, là où il y a le dragon, le dernier dragon. Et cet ennemi, il a un bouclier. Donc il y en a deux, je les ai tués. Et vu qu'ils reviennent à chaque fois, il va rien que... Donc on est loin de lui. Il va planter son bouclier avec force dans le sol et la déflagration va nous atteindre et nous éliminer. On est mort. Rien qu'avec la déflagration. Et parce que, en fait, le Elden Ring, les boss et les ennemis, mais surtout les boss, donc j'ai dit, soit on a des humanoïdes très vifs ou alors on va avoir des boss qui sont... qui ont la taille d'un immeuble de 4 étages, et forcément quand ils cognent, ils nous démolissent complètement, quoi. En fait, un boss dans Elden Ring, ça va être comme un tireur d'élite qui est dans un bunker. Il n'y a qu'une seule issue pour atteindre le bunker, c'est une fenêtre. Sur ce bunker, il y a des canons, des mortiers, des tourelles, des mitrailleuses. Et en plus de ça, il faut rentrer dans le bunker pour tuer le sniper. Et évidemment, il faut se dépêcher parce que sinon le sniper, il a le temps de préparer un autre tir. Et quand il vous tire, vous êtes mort. Et c'est ça Elden Ring. On a une fenêtre de tir, on a une fenêtre pour agir. Et si on essaye de faire autrement, le jeu nous défonce. Le jeu nous défonce. On ne peut pas gruger très difficilement. On ne peut pas gruger le jeu. Si par malheur on a essayé de gruger le jeu, le boss, et que ça n'a pas marché ou pas assez bien marché, on se fait laminer, on se fait défoncer, on se fait... Et ce n'est même pas une punition, parce que des fois, c'est vrai que moi, le premier, j'ai un peu du retard. Donc si je réagis trop tard, forcément face à une intelligence artificielle, bim, je me fais démolir. Mais des fois, par exemple, quand le bouclier il le plante, je suis à côté parce que je veux rester à côté pour pouvoir lui porter un coup. Rien que ça, c'est jugé presque comme il fallait pas être là, quoi. Mais si tu es trop loin, tu ne peux pas. Tu perds des occasions de porter un coup à ton adversaire. Et donc le jeu en profite pour te laminer. Et le jeu, quand c'est comme ça, il sort le one shot. Tu as le one shot. C'est-à-dire, il va te mettre un coup. Quelle que soit la jauge, tu es mort. Tu es mort, c'est tout. Il n'y a pas d'autre alternative. Tu es mort.
Et un coup. Et alors qu'avant tu as très bien conduit ton combat, et là, en un coup, bim, t'as tout perdu. Et tu dois tout recommencer. Ce n'est que frustration. Ce n'est même pas de la punition, parce que des fois, comme je dis, t'as voulu te créer une occasion dans un sport collectif, ou si on fait du basket, si on fait du football, bah les mecs qui gagnent, c'est ceux qui se sont créés des occasions, c'est ceux qui ont fait du jeu, c'est ceux qui sont allés au-devant de l'adversaire. C'est pas. Voilà. Alors des fois tu peux t'exposer, c'est mon gros défaut, c'est que je m'expose beaucoup. Mais si je m'expose pas, bah, je suis trop à l'abri et ben voilà, la meilleure défense c'est l'attaque. Voilà, moi c'est ça que et on se fait laminer, on se fait laminer, on se fait défoncer. Et c'est franchement très frustrant. Moi, j'en tire que de la frustration parce que même quand le gardien le chevalier de l'arbre monde, c'était ça, la sentinelle, parce que j'ai noté leur nom pour en fait me dire, je note leur nom comme ça, je sais à qui j'ai affaire et. Sentinelle de l'arbre. Voilà. Alors celui-là, j'ai galéré à le battre. Pourtant, il est tout au début. Hein. Et ben, déjà, j'avais pas ce qu'il fallait les premiers combats. Donc, il a fallu que j'aie le cheval pour le battre. Parce que, mais si tu, et voilà, il a fallu que j'aille au-delà. Il a fallu que je, et même vers la fin. Je perdais alors que je savais que je pouvais me le faire. C'est ça qui est encore plus frustrant, c'est que tu sais que tu peux te le faire. Tu es à deux doigts de. Et pilote, bim, il t'envoie un coup. Ça y est, t'es mort, quoi. Le seul moment, parce que. En fait, on se bat contre une intelligence artificielle, un programme informatique. Et bah, l'être humain peut se surpasser. La preuve, j'y arrive quand même. Mais bon, mon niveau à moi est pas terrible. Il y en a qui l'ont platiné le jeu en 2 semaines. Parce qu'ils savent sans doute où chercher tout ça, quoi. Voilà, les mecs, ils connaissent toutes les mécaniques. Mais bon, peut-être qu'il avait des codes, je sais pas. Et en fait, voilà, il faut. Et ce chevalier, il m'a été pénible à le défoncer. Il m'a été pénible. Et quand je l'ai buté, parce qu'à la fin, en fait, y a pas vraiment d'état de grâce dans Elden Ring. On peut pas dire quand on arrive tout, il y a forcément un moyen, et en plus de ça, il me restait un quart de ma jauge, il me restait une fiole pour me re. Donc s'il m'aurait tapé, c'était foutu, quoi, j'étais mort. Et j'ai réussi parce que en fait je l'ai harcelé, j'étais tout le temps sur son dos, à lui planter mon épée, tant que le temps, j'y allais comme un sagouin. En fait, c'est ça qui est fatigant dans Elden Ring. Varer le blême, c'est comme ça. À la fin, avec la hallebarde, les derniers coups, je l'ai eu. J'arrêtais pas malgré que ma jauge d'effort, parce qu'il y a une jauge d'effort, elle se vidait, se remplissait un peu, et ça me permettait de redonner d'autres coups. Et j'y allais comme un taré, et je l'ai tué comme ça. Et ben, le chevalier, c'est pareil. J'y allais, et par contre, il réagit. C'est une notification de téléphone pour un Nintendo Direct de bon Splatoon 3, merci. Donc voilà, mais à part ça, et quand il est mort, mais j'en ai tiré aucune gloire, j'étais même pas content, j'étais même pas ah super, enfin, non, 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 j'étais là, putain, putain, j'ai réussi, c'est bien, mais ça aurait pu aucune gloire. Voilà. Après j'ai eu le dragon qui est un peu plus bas. Bon, bah, celui-là a été facile. En fait, parce qu'il y a aussi le fait, le jeu est construit comme un TPS, donc c'est-à-dire que notre personnage va se déplacer et la caméra va être à la troisième personne et elle nous suit. Mais face au combat de boxe, ouais. Combat de boxe, combat de boss,
Elle va faire un peu n'importe quoi. Elle va nous être d'aucune utilité, la caméra. Elle va vraiment. Soit on réoriente nous-mêmes cette caméra, soit on appuie sur le lock. Il y a la possibilité de locker la caméra sur l'ennemi. Et là, le jeu va gérer la caméra. C'est un mal pour un bien, ou un bien pour un mal. Parce que en fait, on est obligé. À part le dragon, où là on fait sans le lock, mais pour tous les autres boss, il faut locker. Parce que on va se déplacer, la caméra va se déplacer avec nous, et généralement, elle va nous permettre de voir l'action. Que si on doit la déplacer nous-mêmes, à part les dragons, voilà. Mais elle va faire aussi qu'elle va fausser la vision périphérique de l'action, en fait. Elle va fausser les perspectives. Elle va très souvent, on n'arrive pas à situer précisément où est l'ennemi, à moi en tout cas. Vraiment, elle est mauvaise. Elle fausse les perspectives. Et ça, alors c'est peut-être voulu par les développeurs, mais là, je me pose la question, mais qui peut avoir envie de faire un jeu comme ça? Qui peut avoir... C'est vraiment mauvais. C'est vraiment mauvais. Il n'y a aucun plaisir à faire un jeu comme ça. Moi, je... Là, j'ai même pas envie de le finir, le jeu. J'ai arrêté de nouveau parce que, voilà, j'ai voulu le refaire pour ce blabla test. Mais je vais le relâcher. Et puis, de toute façon, quand je l'avais acheté, ce jeu... Je savais que j'aurais du mal. Je savais où je mettais les pieds. Et il était hors de question que je m'acharne comme un taré pour le finir, quoi. Voilà, c'est unique. J'ai voulu le faire d'une traite parce que je savais que je pouvais le faire. Voilà. Mais celui-là, je savais que peut-être il faudrait que je m'y prenne à plusieurs reprises. Donc, c'est ça que je suis en train de faire, hein. Je verrais bien. Peut-être à la fin de l'année, j'aurais fini le jeu. Mais plus je vois l'histoire, plus je vois et plus la jouabilité exécrable, parce que j'ai pas fini d'en parler, mais plus cette jouabilité exécrable, moins j'ai envie de le finir le jeu, en fait. Donc je verrai bien, je verrai bien, parce que c'est rendu difficile à cause de ce placement procédural, en fait. C'est ça qui fait que parce que le jeu, si on s'endort sur la même rhétorique de coups, nous, le jeu va nous contrer absolument. Donc il faut innover à chaque fois. Il faut sortir, il faut contrer. Et c'est là que ça. Alors il y a ce truc qui peut être bien, qui peut être un peu jouissif, un petit peu pour certains. Ça va être ce. Le fait de gagner face à l'ennemi, alors que à la base, ouais, vous avez un boss qui fait la taille d'un immeuble de 4 étages. Voilà, quand on gagne contre un boss comme ça, voilà, c'est certain. Moi, ça me dit rien. Ça me dit rien. Et bon, voilà, vraiment, je serais curieux de savoir ce que c'était les Souls avant. Et c'est pour ça que je me dis, peut-être que je vais en faire un, ou essayer d'en faire un, pour voir. Parce que vraiment, je me pose la question de la différence. Parce que vraiment, c'est même pas du masochisme, Elden Ring. C'est une torture. C'est une torture. C'est même pas du masochisme. Ce n'est pas une punition. Parce que des fois, je suis bien. Je suis vraiment bien. Je fais pas d'erreur, quoi. Mais l'être humain est fait comme ça. C'est que on peut répéter des actions. Et puis on peut le répéter, je sais pas moi, mettons une dizaine de fois, et peut-être la dixième, on va peut-être pas la faire pareil. On n'est pas des machines. Et c'est là-dessus que le joue un peu le jeu. Et moi, je trouve ça un peu, c'est dégueulasse, quoi. C'est dégueulasse parce que face à une machine, tu es pratiquement perdant. Enfin, pour moi, quoi. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, quoi. Et vraiment, je serais curieux de savoir comment ils font, les mecs qui ont platiné le jeu en 2 semaines, là. Je serais curieux de savoir comment ils ont fait.
Parce que moi, j'y arrive moyennement, et plus ça va, et en plus de ça, que j'ai moins envie de le faire, en fait. Plus ça va, moins j'ai envie d'y crocher dedans, quoi. Donc, quand c'est comme ça, bon, bah, il faut arrêter. Alors, en plus de ça, donc j'ai dit, il y a le placement procédural, il y a la caméra qui fausse les perspectives, alors, en plus de ça, que moi, j'ai le... Donc, quand on lock, bah, des fois, c'est pas des fois, mais non, c'est très souvent... Ça va déloquer en fait. Si je tourne plus vite que la caméra, elle va s'arrêter. Donc elle va déloquer. Donc je suis obligé de régler le lock parce qu'en fait on peut pas. En fait, il faut cliquer sur LR pour locker l'ennemi, mais il faut que la caméra soit sur l'ennemi. D'ailleurs, là-dessus, PSO2 c'est pareil, hein. Il faut locker, mais le lock il part en vacances. Et ça, c'est détestable. Ça sert à rien de mettre des locks si c'est pour que le lock d'ennemi soit foireux. Alors, j'en parlerai parce que PSO2, au début, quand j'ai joué au jeu, j'avais pas ça. Mais là, ce week-end, j'ai eu une mise à jour de 15 gigas qui fout un peu le bordel. En fait, je me demande qu'est-ce qu'ils ont foutu. Donc voilà. Donc Elden Ring, on a ce lock là qui part en vacances et bah des fois bah voilà la caméra en fait elle va repartir derrière nous alors que bah il y a le boss qui est à nos fesses quoi et on voit pas ce qu'il fait et donc bah on a beau se dire tiens là il va peut-être il nous poursuit il faut que je m'en tire mais non c'est parce que je sais pas on arrive face à un des rochers quoi par exemple des trucs comme ça on peut pas se déplacer tout le temps librement. En ayant. C'est pas possible de tout gérer les paramètres d'une traite comme ça. C'est pas possible. Voilà, c'est. Bon, il y en a. Bon, je serais curieux de savoir comment ils ont fait les mecs là qui ont platiné le jeu en 2 semaines là. Je serais curieux de voir ce qu'ils ont fait. Parce que franchement. Vraiment, moi je pense, enfin, honnêtement. Mais c'est une torture parce qu'en plus de ça. L'accent va être mis sur notre avatar qui est une sous-merde. C'est une sous-merde. Ce mec est une sous-merde. Il est lent. Notre avatar, il est lent. Il met 20 ans parce on va avoir une touche pour sortir par exemple, un coup d'épée. Alors en plus de ça, le jeu nous demande si on veut être gaucher ou droitier. Moi, j'ai mis gaucher. Résultat résultat des courses. Mon personnage porte toujours son épée du côté de la main droite et ça change strictement rien que j'ai mis gaucher ou droitier, donc vraiment n'importe quoi. Ensuite, je sais plus ce que j'allais dire. Ouais, il se dépi donc on a une touche pour frapper le plus vite possible, donc un coup vif. Et on a un coup de charge, un coup chargé. Mais notre personnage est tellement lent qu'il met 20 ans à la sortir il met 20 ans à la sortir cette. Parce que forcément, en fait, quand on a une épée, en fait, cette attaque de charge, ça va être une estoque. Et cette estoque a forcément le bénéfice de bien entamer la jauge de l'ennemi. Mais vu qu'il met 20 ans à la sortir cette estoque, enfin moi pendant les boss, je la sors pas du tout. Ou alors, voilà quoi, c'est vraiment que j'ai gazé comme un dieu. Mais voilà. Et alors, je tiens à signaler que. Pardon. Je tiens à signaler que quand je bats un boss, j'ai le level. J'ai été farmé. S'il y a bien un truc que je fais, que je suis client pour faire, c'est du farm. Je sais le faire. J'ai toujours fait ça dans tous les Zelda. J'ai toujours été chercher tous les items au maximum, faire du farm. Je le fais de nature dans tous les jeux. Je suis un farmer. La vie à la ferme, c'est mon truc. Donc forcément, j'ai le level que j'ai, je peux pas avoir mieux. Je peux pas avoir mieux. Voilà, ça sert à rien. Arrivé à un moment, quand tu as fait du farm, bon bah tu te dis bon bah il est temps maintenant d'aller en découdre avec un boss parce que bah il faut évoluer dans le jeu. Il faut évoluer.
Donc ça sert à rien que j'aille faire encore plus de farm plutôt que... Non, c'est le skill qu'il faut développer, qu'il faut... Voilà, c'est ça qu'il faut développer. J'ai le niveau, j'ai tout ce qu'il faut. Les armes, elles sont évoluées du maximum que je peux et je pourrais difficilement avoir mieux, je pense quoi. Là, le dragon, bah, je pense que le problème c'est que j'ai pas le level, donc là il va falloir que j'aille farmer. Mais sinon, la sentinelle de l'arbre, je savais que j'avais le level, je savais que je pouvais le faire, je voyais très bien que je pouvais le faire. Donc c'est pas une question de level, c'est juste une histoire de skill. Qu'il faut, voilà, que quand il y a tout qui est réuni, ça roule nickel. Le jeu, des fois, on va découvrir des catacombes. Et dans ces catacombes, bah, voilà, il y a forcément. Et ben moi, j'ai pas enregistré la séquence, mais elle aurait eu le mérite d'être montrée parce que là, le jeu, il fait n'importe quoi. Dans ces catacombes, on a une suite de gargouilles qui sont. C'est des maîtres ninjas, en fait. Les gargouilles, elles se déplacent tellement vite. Et le jeu, comme je dis, il est à placement procédural. Donc, au bout du troisième essai, c'est face au boss de cette catacombe, parce qu'il y a un boss dans la catacombe, que je m'étais fait avoir. Et ben donc le troisième essai ou le quatrième, je crois que c'était ça. Et ben le jeu a décidé de faire sauter différemment les gargouilles, les faire sauter et de m'attaquer en même temps. Mais moi, mon personnage ne peut pas frapper en l'air. Il ne peut frapper que ce qu'il a devant lui. Donc je me faisais avoir. Je me faisais avoir et j'avais beau essayer d'anticiper, je me faisais avoir. Et ça, c'est des choses totalement abstraites. C'est ça, le jeu va nous tuer de manière abstraite. Ce qui fait que, bah, et puis après, bah, comme je dis, mon personnage est une merde. C'est-à-dire que face au boss, le boss, il fallait l'avoir avec la hallebarde, parce que c'est un humanoïde, et non pas un immeuble de 4 étages. Donc avec la hallebarde, c'est comme ça que je l'avais. J'appuyais sur la touche. J'appuie sur la touche pour qu'il fasse une estoque. Donc, les trois premières fois, il fait l'estoque. Et pour une raison indéterminée, le jeu me fait ça souvent. Sur la même touche, au même moment, au même endroit, il fait autre chose, le personnage. Il choisit de faire autre chose. C'est-à-dire, il envoie la hallebarde sur le côté. Mais n'importe quoi, quoi. Mais n'importe quoi. C'est souvent le cas, la chose que je dis quand je joue au jeu. Mais c'est n'importe quoi. Le personnage fait n'importe quoi. C'est une sous-merde. Et évidemment, le boss, si toi tu loupes, bah lui il te loupe pas. Lui il va pas te louper, il va te défoncer. Et souvent c'est one shot. C'est one shot et t'es mort. Voilà. Et tu recommences. Et donc le jeu me faisait n'importe quoi. J'ai dû essayer de faire ces catacombes 7 fois, 7 ou 8 fois. Et la fois où ça réussit, le jeu n'a plus merdé. Tout s'est passé nickel. Et j'ai battu le boss sans problème. Voilà. Et c'est ça qui est énervant. C'est le quand le jeu ne fait pas n'importe quoi, parce que notre personnage, c'est une sous-merde. Pourquoi que quand j'appuie sur la même touche pour faire un coup vif, il me fait une estocade? Ou quand j'appuie sur l'estocade, il fait autre chose. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Le jeu fait n'importe quoi. Alors, je sais pas si c'est une volonté des développeurs ou si c'est un bug. Et c'est ça le problème des jeux à placement procédural. Et ça, on va en manger plein parce que ça a tellement marché Elden Ring que maintenant on va avoir que ça. Moi, j'ai l'impression que des jeux à placement procédural, ça permet aux développeurs de masquer les bugs. Parce que on ne sait pas si le personnage il bug ou si c'est une volonté des développeurs. Quand mon personnage il fait n'importe quoi, on ne sait pas si c'est une volonté des développeurs pour rendre le jeu encore plus dur. Moi je sais pas moi. Pourquoi mon personnage, au lieu de faire une estocade, il fait autre chose avec son épée. Et alors, non seulement, en plus de ça, donc des fois il fait n'importe quoi. Enfin, il fait une autre attaque que j'ai demandé. Mais alors que j'ai loqué, l'ennemi est devant lui, il va frapper à côté.
Il va frapper à côté. Mais comment on peut louper son coup quand le mec il tape dans le vent. Dans le vent. Je me tape des vents monumentaux. Mais comment que c'est possible ça dans un jeu? Je comprends vraiment pas. Alors, et c'est là que je me dis, est-ce que c'est une volonté des développeurs ou est-ce que c'est un bug? Et un jeu à placement procédural nous empêche de voir clair là-dedans, alors qu'un jeu normal, on verrait de suite si c'est un bug ou si c'est. Et moi, je comprends pas ça. Moi, je comprends pas. Et les gens qui disent du bien de ce jeu, mais je comprends pas ça. Je comprends pas qu'on adule un jeu comme ça. Ce jeu, c'est une torture. C'est une torture. Je serais enfermé à Guantanamo à subir du waterboarding. Ça serait la même chose. Ça serait la même chose. C'est. Mais autant que j'aille en vacances en baie des cochons, franchement. Enfin, sérieux, faut arrêter. Il n'y a aucun plaisir à jouer à un jeu comme ça. C'est vraiment n'importe quoi. Et en plus, notre personnage, parce que c'est une sous-merde, je suis sûr que c'est le genre de type qui collaborerait au régime de Vichy, il meurt comme une merde. Il ne fait que mourir comme une merde. Il ne peut pas mourir décemment. Dans PSO2, la personnage, elle meurt, elle n'est pas là en train de se vautrer dans la médiocrité. Notre personnage dans Elden Rings, il est médiocre, il est mauvais, c'est une sous-merde. Voilà, il se complaît dans la médiocrité, mais il n'y a rien de bien en tirer, rien de bien en tirer. Il est lent, il vise à côté, il fait n'importe quoi. Et pourtant, j'ai monté un peu en niveau. Il y en a, ils sont niveau je sais pas quoi. Alors peut-être tous ces aspects-là sont mieux après avec le level, mais. Imagine, il n'y a qu'à imaginer, il m'a fallu 68 heures pour arriver au level 15. Il y en a, ils sont au niveau 60 ou je sais pas quoi. Et moi, pour arriver là, mais il va me falloir combien d'heures de jeu? Il va me falloir combien d'heures de jeu? C'est pas possible. C'est pas possible. J'en ai ras la casquette, moi, de ce jeu. Moi, j'en ai ras la casquette. Là, pour enregistrer les séquences, je suis revenu dedans, mais. Ça me prend le chou, quoi. C'est. Incroyable hein, des jeux comme ça. Et pour moi, ce n'est pas un bon jeu. Ce n'est pas un bon jeu. Je suis désolé. Non. Ce n'est pas un bon jeu. Moi, je n'ai pas aimé le jeu. Je n'ai pas aimé le jeu. En revanche, je peux pas dire que c'est un mauvais jeu à 100%. Voilà. Le jeu. Voilà. Se présente quand même plutôt bien à la base. Donc je peux pas dire que c'est un mauvais jeu. Mais en revanche, moi j'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Voilà. Et notre personnage c'est une sous-merde. Il meurt comme une merde. Il est lent. Il met 20 ans à sortir une attaque. Il fait n'importe quoi. Mais il a tous les défauts, ce mec-là. Jamais. C'est un zéro. C'est pas un héros. C'est un zéro, notre personnage. Et je comprends pas. Vraiment, il y a tout pour déplaire dans ce jeu. Il y a tout pour déplaire. Le loc qui part en vacances. Le boss, il fait ce qu'il veut. Il a tous les pouvoirs. Hein, il peut à distance, il envoie un coup. Paf, on est mort. Mais n'importe quoi. L'autre avec son bouclier, il plante son bouclier dans le sol. La déflagration, elle me tue. Quand c'est pas ça, il fait un coup qui est loin de moi, loin de moi. Il fait un coup avec son bouclier. Je suis mort. Je suis mort. Mais comment on peut tuer quelqu'un avec un bouclier à distance? Mais n'importe quoi. C'est quoi ce jeu? Et c'est le one shot, quoi. Et c'est le one shot. Et moi, je comprends pas. Je comprends pas des jeux comme ça. Je suis dubitatif quand je vois ça. À la fin, je m'énerve de moins en moins parce que c'est tellement débile, quoi. C'est tellement débile, quoi. Et après de le voir, une fois qu'il nous a tués, il continue son cirque, là, mais c'est vraiment n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ce jeu multiplie le n'importe quoi. C'est vraiment. Il y a tout pour déplaire, tout pour perdre, en fait, dans ce jeu.
Et c'est pour ça que moi, ça que je dis, c'est une torture, ce n'est pas une punition. Non, non, JV.com, il disait que le jeu vous punit, mais non, on n'est pas puni. Puni de quoi? On est puni de quoi? Il n'y a rien pour gagner. Il n'y a rien, il n'y a aucun confort, il n'y a même pas de pause. Quand je fais un cas, quand j'ai mis ma. Parce que j'ai une cafetière Bialetti, donc il faut, je la mets sur le feu, et une fois que mon café est prêt, bah il faut que j'aille éteindre sur le feu, quoi. Bon, bah. Faut que je calcule mon coût parce que si je suis face à un boss, je peux pas mettre pause pour aller éteindre sous le feu. Hein, je peux pas. Et c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On a même pas de pause. Bah, et ça, dans PSO2, c'est pareil. Hein. PSO2, c'est pareil, il n'y a pas de pause. Donc, j'en parlerai dans un blabla test de PSO2. Mais vraiment, je comprends pas qu'on veuille démolir le joueur à ce point-là. Je comprends pas ça, moi. Il y a des gens, quand ils font les jeux, les mecs, ils se prennent pour le nombril du monde, ils doivent être là, ouais, on va faire ci, on va faire ça. Mais qui va gagner dans le jeu? Et je serais surpris de voir le mec, comment il a fait pour platiner le jeu en 2 semaines. Hein. Il l'a fini et il a platiné le jeu. Ben, je serais surpris de savoir comment il a fait. Hein, parce que. Bon, moi, je me suis arrêté un bon laps de temps. Hein, on va dire, ouais, ben voilà, j'ai 38. J'ai 68 heures, pratiquement. Mais j'éprouve aucun plaisir à faire le jeu. Aucun. En plus que c'est un jeu de. Voilà, d'épée, de cap et d'épée. Bon, ouais, c'est vraiment pas mon truc, voilà. Il y a un truc qui peut être bien, par contre, c'est que par rapport à certains adversaires, on peut ressentir un petit peu, parce que on n'est pas avec des armes à feu, donc on peut pas tirer à distance, on peut pas tuer l'adversaire à distance, on est obligé, c'est du corps à corps, et donc on peut ressentir une petite adrénaline, un petit truc comme ça, quoi, pour se dire comment va être l'adversaire, parce qu'il Ils sont vraiment vifs, quoi. Mais des fois, ça m'est arrivé de me faire laminer avec un simple adversaire, quoi. Et alors, ce qui est complètement stupide, c'est que le volley. Alors, les adversaires sont très durs à battre. Les boss, n'en parlons pas. Mais on peut leur passer devant sous le nez, comme si de rien n'était. Le volley infiltration, c'est zéro. C'est zéro. On leur passe devant sous le nez à quelques mètres d'eux. Bah, il n'y a pas de souci. Personne dit rien. Voilà, tout le monde s'en fiche. Et par contre, alors, quand le mec il veut te laminer, bah, le jeu va lui donner tous les pouvoirs. Vraiment, n'importe quoi. N'importe quoi, ce jeu. Pour moi, c'est un jeu. C'est même pas un jeu de sadomaso, parce que sadomaso, c'est les gens qui sont en déviance et qui veulent prendre du plaisir dans le. C'est une torture. Voilà, ce jeu, c'est une torture. Je serais à Guantanamo torturé, ça serait pareil. Voilà, il y a rien vraiment rien de bien dans ce jeu qui me plaît vraiment. Et plus j'y, parce qu'au départ je trouvais vachement bien le volet exploration. Mais au bout de 68 heures, enfin, je sais pas, tu prends plus de plaisir. Au bout de 68 heures, t'es plus en découverte, hein, du monde. Hein. Et la vue que la DA ne me plaît pas, bah voilà quoi. Ça fait que j'ai plus envie de faire le jeu. Voilà, j'ai plus envie de faire le jeu. Donc voilà, je me suis éternisé un peu là-dessus, mais je devais parler de tout ça parce que franchement, c'est répugnant. C'est répugnant. Voilà. Donc je vais parler un petit peu de la durée de vie. Bah forcément, la durée de vie, bah, elle est énorme. Hein. Là. Hein, moi, et en plus de ça, si on n'est pas un souliste entre guillemets, c'est-à-dire un habitué des Souls, bah voilà quoi. Moi, j'ai 68 heures et je suis au quart du jeu peut-être et encore, peut-être pas. Hein. Donc vraiment, bon, une durée de vie conséquente. Il y a de quoi faire. Il y a plein de quêtes. Il y a plein de choses à faire. Et on va rencontrer des personnages qui vont nous donner des petites quêtes annexes à faire. Ça, c'est assez agréable à faire.
Y a, par exemple, j'ai noté que y en a un qui m'a demandé retrouver Sanya, la servante. Donc je vais la retrouver. Voilà. Donc, par contre, il y en a un, il m'a dit l'homme-loup. Parce que l'homme-loup, je devais retrouver Darwill. Ouais, je suis tombé dessus, il m'a explosé le mec. C'est un boss. Darwill, c'est un maître ninja. Voilà, c'est un maître ninja. Et lui, alors, bah, j'ai pas le level. J'ai pas le level, donc il va falloir que j'aille leveler pour le battre. Mais voilà, quand il faut farmer, quand il faut visiter le jeu de fond en comble, bah voilà, la durée de vie s'en retrouve forcément conséquente. On passe un temps fou sur ce jeu, je pense. Voilà. Et d'autant plus que moi, quand on n'est pas habitué des Souls, bon, bah, c'est quitte ou double, quoi. Voilà. Donc voilà. Donc bah, en conclusion, je regrette pas d'avoir acheté de Elden Ring. En revanche, c'est quand même une semi-déception. Il y a plein d'aspects. Alors, il y a plein d'aspects intéressants dans le jeu. C'est un action RPG. Il y a plein de mécaniques pour faire du level, pour faire fusionner des armes, les augmenter. Il faut aller chercher des pierres de forge. Il faut vraiment faire plein de choses. C'est super intéressant, mais l'ADA ne m'a pas plu. Graphique, esthétique, la musique ne m'a pas plu. Voilà, je me suis fait avoir de mes 80 euros. Voilà, néanmoins, moi, je n'en tire pratiquement que de la frustration de ce jeu. Mais il y a des gens qui ont aimé. Ça veut dire que le jeu, il divise ou il plaît, mais c'est un jeu next-gen quand même. C'est un jeu qui a une technique. C'est un jeu, il y a eu de la recherche, du travail de conception. Il y a eu quand même, voilà, on peut pas dire qu'il est, il est assez basique. C'est un jeu qui est basique dans ses fondements. Il est vraiment basique. C'est pour ça que je dis que peut-être qu'il ressemble un peu à une version PlayStation 1 d'antan, mais en plus moderne. Parce que bah voilà, il y a des choses. Alors, il n'y a pas de bug de collision avec les boss, mais notre arme, elle peut passer à travers les décors. Enfin voilà, on peut. Nos pieds sont avalés par le décor. Voilà quoi. Voilà, c'est vraiment bon. Mais c'est moderne quand même. C'est quand même un jeu qui se tient techniquement. Il n'y a pas de crash, il n'y a pas de. Il n'y a pas de freeze, il n'y a pas de. Non, techniquement, il est quand même. Voilà. Mais voilà, pour moi, j'appelle ça un jeu de raciste. Parce que voilà, si on n'est pas habitué des Souls, ben, on va en prendre plein la tête. Gratos. On va détester tous ces aspects de jouabilité. Et pour moi, c'est un jeu de raciste. Voilà, j'appelle ça un jeu de raciste. Mais bon, il a quand même de très bons côtés. Et je serais de mauvaise foi de dire que c'est un très mauvais jeu. Moi, je ne l'ai pas aimé. Mais ça reste un jeu qui se tient quand même. Je lui mets la note de 15 sur 20 quand même. Malgré que je n'ai pas aimé le jeu. Voilà. Donc. Voilà ce que j'en ai fini avec Elden Ring. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vais essayer de faire le test, blabla test de Tunic, et puis on se retrouvera bientôt. Prenez soin de vous. Je remercie celles et ceux qui viennent voir mon contenu, si c'est pas des comptes fake. Et puis, bah, prenez soin de vous et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Voilà. Hasta la vista, tout le monde.